Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Léopard, Fimbwe Zongye. Banakongo. Tosangana elongo na tata mokonzi ya RDC, mobeti ndembo ya yambo ya ekolo na biso, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pona kokumisa ba Léopard na biso, oyo bakondongwana na Sili National ya Guinée, na Stade des Martyrs, na cadre ya première journée ya ba éliminatoire ya Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce jeudi 5 septembre 2024, une livraison qui nous conduit à Kinshasa, dans la tanière où les léopards se préparent à affronter le Sili National de Guinée dans le cadre de cette première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, et nous allons débattre avec vous sur un sujet dont on avait déjà abordé une analyse sur la présence du capitaine des Léopards, Chancel Mbemba Mangoulou, qui vient de la France et qui a déjà rejoint la tanière, bien évidemment, avec des soucis avec la direction de son équipe, avec le staff technique, et donc est mis de côté. Chancel Mbemba qui est parti pour rester à l'Olympique de Marseille contre l'avis de sa direction, ce qui crée très clairement un conflit. Mais le problème, ce conflit a un impact dans la tanière, puisque Chancel Mbemba ne s'entraîne plus depuis un certain moment après la sanction qui lui a été infligée. Alors, notre question est celle-ci. Et c'est dommage que cette question n'a pas été posée au sélectionneur manager Sébastien Desabre. Une interview que nous vous proposons d'ailleurs dans le cadre de la troisième livraison sportive de ce jeudi 5 septembre 2024, 24 heures avant ce match fatidique entre les Léopards et le Sili National de Guinée. Alors, Chancel Mbemba Mangoulou doit-il être titularisé contre le Sili National de Guinée? Personnellement, si j'étais Sébastien Desabre, je ne titulariserais pas, car c'est quand même un match très très important. C'est le premier match des éliminatoires. À la limite, c'était le 5e ou 6e match, la RDC est déjà qualifiée, on aurait pu lui donner du temps de jeu. Qu'il s'entraîne, s'il s'entraînait, il n'est pas du temps de jeu, ça ne pourrait pas poser de problème. Mais là, carrément, il est carrément sur une voie de garage, il ne s'entraîne pas avec, car il est en conflit avec, ouvert avec ses dirigeants. Donc je ne pense pas qu'il s'entraîne avec l'équipe réserve entraînée par Jean-Pierre Papin. Moi, personnellement, il le mettre comme ça, sans temps de jeu, sans rythme, avec une chaleur torride à Kinshasa, ce serait vraiment risqué. Hein. D'autant plus que Bayou est un joueur quand même ultra rapide. On avait vu quand même Chancel Mbemba en difficulté du côté du Sénégal lorsque Jackson l'avait pris de vitesse, l'avait carrément laissé sur place avant de centrer pour j'ai oublié le nom, pour le but d'ouverture du Sénégal. Donc moi, à mon avis, ce serait une erreur de titulariser Chancel Mbemba pour ce match quand même important. Est-ce que l'erreur n'a pas été déjà commise en le convoquant dans la tanière, même si je pense que Sébastien Desabre a voulu peut-être jouer un peu sur un plan psychologique, rassurer Chancel Mbemba compte tenu de tous les problèmes qu'il a là? C'est vrai que venir dans la tanière peut-être une bouée pour lui, pour avoir un peu d'air frais, parce que là, en tout cas, l'ambiance n'était plus tout à fait bonne. Mais des alternatives, Sébastien Desabre en a quand même, au cas où Chancel Mbemba ne jouait pas du moins ce match contre la Guinée, parce que ce sera quand même une première dans ces éliminatoires. Et la République démocratique du Congo n'oublie pas les deux derniers revers, justement, dans l'entame des éliminatoires des CAN. Éliminatoires CAN
Cannes-Cameroun 2021, je crois que c'était au Cameroun. Éliminatoire Cannes-Côte d'Ivoire 2023, la République démocratique du Congo a quasiment perdu les deux matchs. Parce que pour moi, le match nul de 0 but partout contre le Gabon à Kinshasa lors de la première journée des éliminatoires de la Cannes 2021 s'apparente à une défaite très clairement. Et que dire de ce match perdu avec Hector Raoul Le Cooper, une équipe gabonaise qui arrivait le même jour. Et on a un peu décalé l'heure de ce match. Et les Gabonais qui nous ont battus ici avec un Gelor Kanga sur la pelouse. C'était une humiliation, comme le dit Boketchou Premier. Oyeza, humiliation, humiliation. Et donc, nous avons encore ces deux revers-là en tête. Maintenant, ce sera, après ces deux revers-là, le troisième match de l'entame des éliminatoires d'une CAN que nous jouons. Est-ce que nous avons droit à l'erreur? Je pense que Sébastien Desabres y pense, hein, et je crois qu'il devra faire le choix, mais les atouts, il en a quand même. Considérons que Enoch Inonga Abaka, l'actuel défenseur central de phare de Rabat, qui est venu de Simba SC, où il a fait des beaux jours de ce club tanzanien aussi. Enoch Inonga Abaka, titulaire, on l'a vu, hein, il a disputé la plupart des matchs, des derniers matchs en tout cas, aux côtés de Chancel Mbemba Mangoulou. Considérons qu'il reste titulaire, maintenu à son poste, puisqu'il est aussi en forme. Il a débuté le championnat marocain de Botola Pro avec phare de Rabat, ainsi que Joël Béa, ancien avant-centre du tout-puissant Mazembe Anglebert. Maintenant, nous avons deux autres possibilités. Lequel parmi les deux autres pourrait suppléer à une éventuelle absence de Chancel Mbemba Mangoulou? Je pense que si Sébastien Desabres décidait de se passer de Chancel Mbemba, la logique voudrait qu'il titularise Kylian Batoubisika, qui est normalement, qui est devenu troisième dans la hiérarchie des défenseurs centraux aux côtés de Enoch Inonga Abaka. Ça peut être aussi une alternative, un joueur costaud, grand, tout ça, un joueur qui est plutôt fin, technique et tout ça. Cette combinaison pourrait marcher, car Dylan Batumbiseka et Chancel Mbemba, ça a marché aussi. Mais il pourrait aussi mettre Twan Zembe dans l'axe de la défense. Mais le problème maintenant, c'est que au poste d'arrière droit, c'est pratiquement le même problème. Le même cas que Chancel Mbemba, sauf que lui s'entraîne avec Lorient. Là, vous pensez à Gédéon Kaloulou. Tout à fait. Donc, nous avons parmi tous les sélectionnés de l'équipe nationale, il y a deux joueurs, dont deux défenseurs, qui n'ont pas de temps de jeu. Et trois même, on peut dire, en championnat, même si Simon Baz a joué un ou deux matchs en barrage de l'Europa League. Mais vous avez quand même deux de nos défenseurs qui n'ont pas du tout de temps de jeu cette saison. Donc ce serait vraiment, même titulariser l'un d'eux, ce serait quand même... je pense que ça serait risqué quand même de la part de Chancel Mbemba. Car admettons que ça se passe mal. Hein, Chancel Mbemba, perte de balle de Chancel Mbemba. Bayo se profite tout seul devant le but. Il marque le but et la RDC perd 1-0. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont des dire? Sabres, des sabres, il sera fautif à 100%. Donc moi je pense que c'est quand même risqué, même si Chancel Mbemba est assez intelligent pour savoir d'abord ce que lui-même veut, hein, ce qu'il lui-même veut. Et c'est pas ça, le sabre sait aussi que bon voilà quoi. Mais moi je pense que ça serait quand même une mauvaise chose de titulariser, bien qu'il soit capitaine, alors que nous avons quand même d'autres alternatives et des alternatives de qualité. Hein. Parce que moi, selon moi, depuis la CAN jusqu'à ce jour, pour moi le meilleur défenseur c'est Enoch Inonga Abaka. Donc il n'a pratiquement été irréprochable lors tout au long, que ce soit la CAN et lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Chancel Mbemba, il a quand même eu quelques hésitations. Je me souviens même une perte de balle, ce qui a failli nous coûter cher aussi, même lors de la CAN. Et puis le pénalty, bon, même s'il était très sévère face à la Guinée, nous avons ce débordement là face au Sénégal. Donc ça fait quand même trop. Pour moi, l'assurance tout risque de la RDC pour le moment s'appelle Enoch Inonga Abaka. Et Enoch Inonga Abaka, dont le profil ressemble tout à fait à celui de Chancel Mbemba. Enoch Inonga Abaka, Desabres ne sait peut-être pas, mais Enoch Inonga Abaka est aussi polyvalent. Enoch Inonga Abaka peut jouer aussi comme 6 milieu défensif juste devant la charnière centrale, mais il peut aussi dépanner sur les côtés. Il peut aussi jouer comme 2. Donc on pourrait, ce n'est pas impossible, avoir un Axel Tuanzebe et Dylan
Alexandre Batumbisika dans l'axe et Enoch comme deux. Ça, des sabres, ne le sait peut-être pas. Mais on pourrait aussi avoir Toazembe et Enoch Inongabaka et Noah Sadiki en comme deux. Donc, ça dit que des possibilités, des combinaisons, il y en a en tout cas. Il y a beaucoup de joueurs qui sont polyvalents et c'est tant mieux hein, pour nous. Heureusement pour nous. Alors, chers amis, dites-nous hein, en commentaire, bien évidemment, on continue le débat. Le débat n'est pas clos. Pensez-vous que Chancel Mbemba Mangoulou devrait être titularisé pour ce match contre la Guinée, sachant que Chancel Mbemba, non seulement qu'il n'a pas de temps de jeu, mais il ne s'entraîne pas. Donc il n'aura pas, il aura donc un problème physique très certainement, mais un problème de rythme aussi, puisqu'il ne joue pas, il ne s'entraîne pas. Ça va donc être vraiment compliqué. Mais toutefois, donnez-nous votre avis, hein, parce que certains pourraient privilégier l'expérience. J'ai suivi Sébastien Desabre, bien évidemment, nos amis pourront le suivre dans la troisième livraison, son interview qu'il a accordée lorsqu'il parle des gardiens. Il a parlé de deux aspects pour qu'il puisse retenir un gardien, c'est la forme, mais c'est aussi ce que le gardien a apporté en sélection. Voilà déjà tout le monde l'a failli, on a deuxième critère. Mais ce qu'il a dit, ce qui est intéressant, c'est que à Koki, ce n'est pas sûr que Oyambi, Touro, Yependa, Oyamba, deuxième match ou le match qui viendra par la suite. Je pense que c'est le cas pour tous les joueurs, même ceux du champ en tout cas. Et il pourrait peut-être jouer le premier match sans Chancel Mbemba, peut-être on pourrait le voir du côté de la Tanzanie. Exactement. De toute façon, on parlera demain lorsque nous allons chacun de nous. Alors, on va donner son point de vue, son équipe probable, Sébastien Sessa. En tout cas, moi, déjà, je peux le donner en exclusivité. Chancel Mbemba ne sera pas dans mon équipe. Donner une bonne équipe pour affronter la Guinée demain, vendredi. Et Indy. Voilà. Donc, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette analyse hein, concernant notre demi-dieu congolais, Chancel Mbemba Mangoulou. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne DiascoFoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DiascoFoot vous dit au revoir.